Edgenadu, Skoura, Tata, Tamarout, près d'Agadir, Brachwa, et nous voilà au sixième festival, Ifalan, dans les Aïd Bougmez à Timmit. Alors déjà, la pièce 99 femmes Maroc, c'est une pièce 99 un petit peu particulière puisqu'elle est inspirée par des récits de vie des femmes dans tout le Maroc. Elle est en deux langues principales, on va dire le Darija et l'Amazir. Elle est, donc c'est une pièce qui est très complexe dans la façon dont elle a été produite par l'ensemble des femmes et de l'équipe du projet 99. Et là, ce soir, on a vu une version dans le village des Aoud Boudmez, en présence d'un public très nombreux. Je pense qu'il y avait plus de 500 personnes facilement 600 personnes de tous les âges, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Et évidemment, c'est une pièce qui est un peu particulière parce que 99, c'est pas comme une pièce classique de Molière, par exemple, où il y a des actes et une histoire. Une pièce 99, c'est inspiré par 99 récits, donc c'est une forme polyphonique. Ce sont des voix qui s'élèvent et qui viennent dire quelque chose de l'histoire des femmes. Alors cette forme théâtrale, elle est très belle parce qu'elle est très ancienne, ça reprend un peu le conte marocain, un peu la halka où quelqu'un vient au milieu du cercle et se met à parler, mais en même temps c'est une forme assez particulière et je pense que les gens du village de Timit, là, dans les Aïd Bougmez, n'ont pas d'abord tellement l'habitude de voir des spectacles de théâtre, mais j'ai été vraiment très très impressionnée par l'attention que les actrices ont su créer justement en revenant dans des formes très anciennes de théâtre, vraiment celle du conte, de raconte-moi ta vie, raconte-moi quelque chose de ta vie et on prend la parole à la suite de ça. Et on retrouve comme ça une forme très antique, très forte, qui parle aux gens d'ici et en ce sens les comédiennes ont été formidables. Chaque femme se retrouve dans ce qu'elle entend et quand j'observe d'ailleurs les femmes du public, c'est très marrant de voir des visages qui sourient, qui se cachent parce qu'elles entendent des choses qu'elle n'aurait jamais osé dire, et en même temps on sent que ça leur parle. De même que beaucoup de femmes des 99 ont raconté leur vie, certaines pour la première fois, et bien ce sont des femmes qui entendent ce qu'elles voudraient peut-être dire d'ailleurs. Merci.